Ciao à tutti, pour les nouveaux, je suis Théo, le powerlifter le plus imprévisible du monde et vous êtes la meilleure armée du game. Donc n'oubliez pas de vous abonner et de lâcher un double biceps bleu aberrament titanesque les amis. Let's go, regardez ce que c'est. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est? Regardez ce doux bruit à votre oreille. Oh mon dieu! Oui! Ça les amis, c'est la première étape du projet KO. J'ai fait 4 heures de route depuis chez mes parents. J'ai les clés, j'ai signé le bail. Je suis enfin implanté à Compiègne. Donc maintenant là, je vais aller m'entraîner à la PCH. Je pourrai enfin reprendre la prise de masse. Les shakers cheat code vont revenir. Les plats de pâtes de 1,5 kg vont revenir. Le riz, oh là là, pas les nouilles instantanées, les yum yum. Putain, il était temps. Là les amis, ce matin, j'ai juste mangé genre 3 rondelles de saucisson, une gaufre avec de la confiture et une banane, et c'est tout. Sauf que ce soir, je dois envoyer un quadruplé à plus de 200 kg au squat, je ne sais pas encore à combien, et un bench RPE 7 en 3 CT, en single. Donc ça va être une séance de zin-zin. Pour ça, il me faut des calories, mais ne vous inquiétez pas, j'ai pensé à tout. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est ça? Un tacos 3 viandes, les amis. Un tacos 3 viandes. Bien évidemment, les vrais savent les goûts qu'on choisit dans un tacos. La sauce, c'est toujours samouraï. Et les viandes, c'est toujours tenders, kebab, poulet au curry. Sentez-moi cette odeur. Sentez-le. Hop. Hop. Non, pas trop près. C'est à moi. Ne bouffez pas mon 4 heures, mon tacos, là. Peut-être que si vous vous abonnez, vous mettez un like, je vous donnerai un croc, genre. Abonnez-vous pour un croc du tacos. Eh oh, faut pas pousser non plus. C'est moi qui dois faire la prise de masse, là, 87,6 kg ce matin. Putain. Donc bref, je déguste ce tacos. Ça sent trop bon. Plus on a faim, plus la nourriture sent bon, c'est incroyable. Je finis ce tacos et je vous envoie une séance du Seigneur. Incroyable, aberrament titanesque. Ça va tout déglinguer. J'ai retrouvé ma technique au bench, ça va exploser le bench. J'ai retrouvé ma technique, enfin non, je l'ai jamais perdu ma technique au squat, étonnamment d'ailleurs, étonnamment. On finit ça et on envoie une séance de malade, toutes les barres sur Jupiter. Allez, let's go.
Ok les amis, là je viens de rentrer de l'entraînement. Petit SBD qui était pas prévu à l'origine. J'ai dû mixer les trois premières séances de la semaine car hier j'avais skip mon squat étant donné que je voulais le faire dans des bonnes conditions. J'ai bien fait car le quadruplé passe extrêmement bien à 207,5. C'est très prometteur. Ça me fait extrêmement plaisir. Le bench passe bien, le terre m'a atomisé les mains, mais ça se passe bien aussi. Donc là, toutes les planètes sont alignées pour envoyer un 700 de total à la fin de ce bloc. Plus la qualif France sur le bench, c'est incroyable, les amis, ce qui est en train de se passer. Donc ça me fait juste extrêmement plaisir. Là, je viens de rentrer dans l'appartement, on a parlé avec Samy super tard. Je me suis servi de mon cadeau d'anniversaire, qui n'est autre qu'une caméra, les amis. Là, je l'ai pas avec moi, elle est dans mon sac, mais je vous montrerai tout ça. Donc, je vais essayer de gagner de l'argent. Là, je fais différents investissements dans les cryptos, etc. J'essaie de vraiment me renseigner et tout. Je fais des trucs. Genre, les amis, je prends d'énormes risques, mais gros risques, gros bénéfices. Je vous parlerai peut-être de ça plus tard si ça fonctionne. J'ai pas envie de donner des conseils à des gens et que ça foire. Mais en tout cas, sachez qu'en ce moment, les cryptos, c'est le bon moment pour s'y intéresser. Donc, je vous invite à le faire. Et avec cet argent, j'aimerais bien m'acheter un ordinateur et pouvoir du coup filmer les séances avec ma caméra et monter sur l'ordinateur pour que la qualité soit bien meilleure. Et même mettre les photos sur les réseaux ou les TikTok que je vais utiliser. Merde. Je vais mettre les photos sur les réseaux, etc. Putain, mais je parle plus français, c'est horrible. Bref, me servir de cette caméra pour créer du contenu tout simplement. Là, les amis, je vous ferai le petit room tour plus tard. Room tour, putain, je suis fatigué, il est 4h du mat. Mais regardez, c'est le bordel. Là, j'ai toutes mes affaires ici. Bon, finalement, ça représente pas tant d'affaires que ça. Le lit là-bas, qui est dans une petite pièce. Ici, la cuisine. Je vous l'avais dit, c'est petit, hein. Micro-ondes, petite plaque qui date de la guerre. Petit évier, là-dedans, en dessous, là. Ça, c'est un frigo. Là-bas, il y a toute la vaisselle et tout. Là, c'est tout petit. La salle de bain, les toilettes, frère, t'as même pas les places pour mettre la place pour mettre tes pieds. Parce que la machine à laver prend tout. Une douche. Donc là, vous voyez la douche. Hop. Les mecs, ils ont même pas lavé. Regardez comment c'est sale ici. Il y a le siphon qui est là-bas, là. Putain. Va falloir que je décrase tout. Pas de miroir encore au-dessus de l'évier. L'évier, regardez, il est tout petit, tout sale et tout. Hop, ça c'est nous. Hop. Hop, biceps bleus, on n'oublie pas. Bon, du coup, les amis, je vous ai fait le room tour maintenant. Vous voyez, le seul truc chiant, c'est que le plafond, il monte comme ça. Et du coup, la pièce dans laquelle je suis actuellement, bon, on ne peut pas aller jusqu'au bout, etc. Donc, tous les mètres carrés ne sont pas exploitables. Mais je vais m'arranger pour rendre ça un petit peu plus accueillant, que ce soit la salle du temps ici. En attendant, quand je suis venu la première fois, je me disais, ah, fais chier. C'est pas si bien, etc. Mais je suis grave heureux. Je suis grave heureux d'avoir ce petit appart. Il me faut pas grand-chose pour être heureux, hein. Vous aurez pu le remarquer. Je suis grave heureux. J'ai de quoi dormir. Demain, je vais pouvoir aller chercher du taf. Pour m'entraîner, je suis pas loin. Je suis à 10 minutes en voiture de la salle. Parfait, parfait, parfait. Le projet KO se passe comme prévu. Donc là, les amis, j'ai mon mixeur juste ici. Vous voyez, petit mixeur que j'avais acheté à Marseille, que j'avais payé 100 balles, mais qui est incroyable. Ça, c'est des nouilles chinoises. On les oublie pas, celles-là. Elles sont collector. Donc, très bientôt, dès demain, je vous filmerai tout ça. Il y aura la reprise des Shaker Cheat Code. Il va falloir remplir cette fucking caté. Là, ce soir, ça va manger des pâtes et ça va aller au lit direct. Thank you.
Let's go boy, regarde-moi cette tête. Regarde-moi cette tête. Oh, attendez, je me recouvre vite fait. Hop, hop. Bon, ça a rien changé. La tête du matin reste la tête du matin, les amis. Là, je viens de me lever, je suis en train de cuisiner des petites pastèques, mon ami. Et ensuite, go à la douche, pendant que les pâtes seront en train de cuire, ça aura arrêté de bouillir. Et on va aller distribuer des petits CV. Mais d'abord, faudra quand même boire un shaker cheat code de 1,5 litre. Car là, ce matin, je me suis levé 87,6 kilos. Et ma compète de bench est dans 15 jours. Et j'aimerais bien faire à peu près 91 kilos minimum pour la compétition. Là, le problème, c'est que j'ai perdu 3-4 kilos. Donc, au développé couché, mon évolution a un petit peu fait comme ça, tu vois. Plus passer sur un nouveau matériel, enfin du nouveau matériel. Un peu relou, mais c'est pas grave. C'est pas grave, les amis, car là, il y a plein de bonnes nouvelles qui me tombent dessus. J'ai plus qu'à trouver un taf pour pouvoir payer les factures, car je vous avoue que là, ça fait 3 semaines que je suis en autonomie. L'essence, la nourriture, les fournitures externes, genre que mes parents ont pris en compte, mais que là maintenant, tu vois, genre les tupperwares, tu dois acheter des éponges, des trucs, genre une serpillière, des trucs comme ça. C'est des petites dépenses, mais ça coûte une blinde. Et l'argent que j'ai de côté, je préfère l'investir, tu vois, dans un espoir de richissime attitude plus tard, tu vois. Donc là, va falloir travailler. Donc pour ça, il faut chercher un taf, distribuer des CV. En fait, on va aller surveiller les pâtes, quand même. Je vais aller prendre ma douche, boire le shaker cheat code de 1,5 litre et aller déposer des CV. Voilà, regardez. Hop, on fait la vaisselle toujours on time. On laisse pas des trucs dans l'évier. Ça, c'est juste un truc propre, mais que j'ai retiré pour mettre le shaker cheat code dans le frigo. Des pâtes. Voilà, let's go. Et là, les bons œufs, normalement, on les mange mieux le matin, mais là, moi, je vais les manger ce soir. Donc voilà. Allez, let's go. Je pense que là, ça va passer sur une petite, un petit vlog. C'est une petite musique de vlog en fond. Tu vas me voir manger tout ça, aller en ville et tout. Allez, let's go. Speech dans la barre mobile pour finir la vidéo, comme toujours. Là, le ton va changer. Il y a eu un gros switch d'humeur entre la dernière prise que j'ai faite cet après-midi, que j'ai faite, et cette prise là ce soir, juste avant mon SBD. Je sais pas si c'est parce que je viens de me hype ou parce que j'ai fait une sieste roulette. Je sais pas si vous voyez ce que c'est genre, tu mets pas d'alarme sur ton téléphone, tu fais une sieste et tu peux aussi bien dormir 20 minutes que 3 heures. Sauf que là, j'ai dormi 3 heures. Du coup, je vais faire mon SBD solo, car tout le monde l'a fait cet après-midi, mais c'est pas grave. Moi, ça me dérange pas trop, il est RPE6, vous verrez dans le récap de lundi. Mais là, juste les amis, j'ai trop la rage, j'ai trop la rage, j'ai trop la rage. Je me rends compte en fait que les dernières semaines là, ou du moins au moins le dernier mois, j'ai été une grosse merguez. J'ai été une grosse merguez. Genre littéralement. Je me suis laissé aller, j'étais là en mode oui, mais si je progresse pas, c'est à cause du matériel, oui, mais ceci, oui, mais cela. Et pendant ce temps-là, tes adversaires, ils attendent pas, eux. Pendant ce temps-là, ils sont pas en train de se donner des excuses, c'est pas des merguez, tu vois. Et là, tu vois, j'en suis à un point où, genre, j'ai trop la rage parce que j'ai envie de sortir des dingueries. Et il est temps, tu vois. Et il est temps, et quand je regarde ce que j'ai fait jusqu'à maintenant, je suis pas satisfait. Alors après, on va me dire oui, mais de toute façon, Théo, tu seras jamais satisfait. Peut-être. Mais j'ai besoin de cette énergie de me dire, mec, si tu veux faire quelque chose d'extraordinaire, tu dois te mettre dans un état qui soit extraordinaire également. Tu peux pas vivre normalement, tu vois. Et là, je me suis donné
toutes les chances possibles. J'ai déménagé de chez mes parents dans une ville où il y a une super salle. J'ai un coach, j'ai un bon entourage. Vous êtes là pour me soutenir. Il ne me reste plus qu'à trouver un travail, je ne l'ai pas encore fait. Et ça, pareil, tu vois, ça me saoule. Frérot, tu vas pas rester à vivre sur tes économies toute ta vie. Arrête d'être une merguez. Mais je sais pas, j'ai pas envie, tu vois. Mais on fait pas que ce qu'on a envie dans la vie. Genre, tu vois, vous voyez le mood dans lequel je suis en ce moment, en fait, c'est. Il y a deux petits. Un petit démon et un petit ange qui sont en train de se battre sur mon épaule, tu vois. Genre, ils sont sur les épaules comme ça, ils marchent sur des trapèzes. Et ils se fightent ici, tu vois. Ils se fightent dans ma nuque. Et c'est ultra relou. C'est ultra relou. Mais le truc sur lequel ils sont d'accord, c'est qu'on doit se donner un fond à l'entraînement. Donc ça, ils sont d'accord sur ça. Donc voilà. La conclusion va pas être très longue. On va pas faire une longue fin de vidéo. Il est temps de se sortir les doigts du cul. Il est temps de retourner sur le terrain, de manger à l'échec, tout simplement. Voilà, il est temps. Tu sais, quand tu manges et que t'as les haut-le-cœur, là, je sais pas si vous avez vu à la fin du truc, j'étais là, posé sur la chaise, et j'avais plus faim. J'ai trop mangé, mais je mange trop en ce moment. Mais c'est comme ça, tu vois. La vie, c'est jamais noir ou blanc. C'est jamais noir ou blanc. Pour avoir des résultats, faut faire des sacrifices. Et faut se bourrer le bide. C'est triste parce que tu vois, il y a des pays où les mecs, ils crèvent la dalle et tout. Mais bon, malheureusement, on peut pas sauver toute la misère du monde, hein, s'occuper de toute la misère du monde. Peut-être qu'un jour, si j'ai beaucoup d'influence, je pourrais m'en occuper, tu vois, envoyer de la thune là-bas ou je sais pas quoi. Mais pour l'instant, nous, on est là, on se gave. Et malheureusement, c'est un sacrifice nécessaire pour atteindre nos objectifs. Et ça, c'est un truc de fou, quoi. C'est un truc de fou que ce soit aussi dur de manger que de pas manger. Parce que j'en vois plein, tu vois. Je vois plein de mecs sur les réseaux. Ils descendent de caté, etc. Ils disent, ouais, c'est trop compliqué, j'arrive pas à prendre de poids alors que je mange 4000 calories. Frère, tu crois que je suis à 4000 calories, là? C'est pas parce que tu bouffes 4000 calories de chocolat de merde que 4000 calories, c'est bien. Hein. Un Twix. Juste, vous voyez, une barre Twix avec deux barres à l'intérieur, là, comme ça. Ça, c'est 500 calories. Ça veut dire que tu me bouffes 8 Twix, t'as tes 4000 calories. 8 Twix, 4000 calories. C'est facile de bouffer 8 Twix, frère. Par contre, mon shaker cheat code de 1,5 litre qui fait 1600 calories, celui-là, je peux te dire que tu vas pas en envoyer 3. Hein. Même pas 2,5, même pas 2. T'en envoies que 1, tu vois. Va me faire 4000 calories de pâtes et de riz. Je peux te dire que tu vas les sentir passer, mon ref. Tu vas les sentir passer. Donc, les calories, j'en ai rien à foutre. Ceux qui me disent, oui, les calories et tout. Non, compte tes macros, les calories, on verra plus tard. C'est pas compliqué d'avoir ces calories. Avoir ces macros, c'est compliqué. D'autant plus en étant végétarien. Car là, en ce moment, les amis, je suis full végétarien, là. Genre, j'ai réduit la conso de viande. Chez mes parents, j'en mangeais un peu plus. Mais quand je suis tout seul, en général, je mange de la viande une à deux fois par semaine. Donc, quand il y a le tacos ou je sais pas quoi, tu vois. Donc, je suis pas un végétarien ultra investi, hein. Je le fais par conviction, mais mes convictions, c'est pas de manger jamais de viande. Loin de là. Mais là, je mange quasiment jamais de viande. Quasiment. Genre. Et dans ce cas-là, avoir ces protéines, c'est compliqué, tu vois. J'en parlerai dans le podcast la semaine prochaine. Mais c'est compliqué d'avoir ces protéines quand tu manges pas de viande. Enfin, c'est plus compliqué. Tu dois chercher des petites manœuvres, etc., tu vois. D'ailleurs, en parlant de ça, les amis, je vais recommencer le podcast du coup la semaine prochaine. Est-ce que vous préférez qu'on fasse un vlog le lundi, un podcast le mercredi, un vlog le vendredi, ou on fait un vlog, un podcast, ou un podcast, un vlog? C'est vous qui voyez. Je vous propose de me le dire dans les commentaires, comme ça j'aurai un petit peu votre avis là-dessus et je verrai un petit peu quoi choisir. J'étais plus dans l'optique un vlog, un podcast, un vlog. Mais je me dis que ça fera peut-être un peu beaucoup. Donc c'est vous qui voyez, vous me dites. Moi, je sais pas. Je pense que je vais continuer à faire les deux vlogs. Mais si jamais vous trouvez que c'est trop, etc., dites-le moi. Donc voilà les amis. Là, je vais aller envoyer mon SBD. Je vous souhaite bonne chance dans votre épopée. Si vous êtes en prise de masse, double force parce qu'on est ensemble les amis. Si vous êtes en maintien, bon bah allez vous faire foutre parce que pour vous c'est facile. Et si vous êtes en sèche, pourquoi vous faites une sèche en hiver? Pourquoi vous faites une sèche en hiver? Personne ne fait ça. Mais bref, les amis, on se retrouve pour un prochain récap. Ça va bien se passer. Ciao.